Ouais, Esquisse, on peut toujours compter sur toi. Merde. Et maintenant? Ça craint de rester ici les bras ballants. Peut-être pas, mais c'est plus compliqué qu'à faire, ouais, là. Attends, je t'ouvre. Hé, hey, Saint-John, tu me reçois? Ouais, excuse-moi, je te reçois. Tu sais ce truc dont on m'a parlé? Il va falloir un peu de temps. Je vérifie la sécurité à la frontière d'Ironbutte. J'évalue la situation au niveau Reaper, parce que je l'ai. Non, Schizo, je vois pas du tout. Si tu me faisais un dessin. Bien essayé, petit Mariole. Oublie pas que je prends des risques dans l'affaire. Me le fais pas regretter. Bon, je te recontacterai bientôt. En attendant, rends-toi utile au camp. Prouve qu'Iron Mike avait raison pour une fois. Ouais, bien sûr. Tout ce que tu voudras, tout ce que tu voudras. Terminé. Je te reçois, Schizo. Je suis pas ton frère, putain. Ok, c'est toi qui vois. Moi, je fais ce que je peux pour aider ton frangin, c'est tout. Ce truc dont on a parlé, disons que ce serait le bon moment pour y aller. Oh, tu veux dire que j'aille à la frontière des Reapers? Très drôle. J'ai rien dit de tel. Tout ce que j'ai dit, c'est que si tu prévoyais d'aller faire un tour, comment vous appelez ça, vous les drifters? Enfourcher ta bécane, eh ben, ce serait le bon moment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Schizo, comme toujours, je vois ce que tu veux dire. Terminé. Zone de nidification. Il faut que je la détruise. Il faut que je nettoie la zone des grouilleurs. Où il est, ce putain de nid? Il doit pas être loin. No!
C'est parti. Il doit être par là. Encore un feu à volonté. Loin d'un nid, je le sens. Qu'est-ce que tu dis de ça, forêt de mutants ? Je ne vais pas tomber mieux.
fait chier. Les plombs sautés. Pas de courant, bien sûr. C'est ça. Ça s'ouvre pas. Non. Je pourrais en faire quelque chose. Voilà le générateur. Réservoir vide. Mais oui, ça m'aurait étonné. Laissez-moi deviner. Plus d'essence ? Ben voyons. Ça ne veut pas s'ouvrir. C'est verrouillé. Merde ! Pas par là. Non, pas par ici. C'est de l'autre côté. Un bidon d'essence. Et que ça saute. C'est bon.
Faudrait que j'aille chercher l'essence. T'en avais bien besoin. Ça pouvait pas tomber mieux. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Tire-moi dessus, espèce d'enfoiré!
Une bande de vagabonds et d'assassins. Du genre à t'abattre des coups. Ça va aller. Tu veux crever là dehors? Écoute, il y a un camp. Un camp? Où? Où? Montre-moi! Montre-moi! J'y vais! Va à Lost Lake, par la Ricky Patel. Elle te fera entrer. Oh, bordel de merde! Je croyais que c'était la fin! Oh, merci beaucoup! Merci! Je t'en remercie infiniment! Je m'appelle Deacon, ils savent qui je suis. Continue à courir et te fais pas repérer. C'est réparable. Ça devrait faire. Mon chemin.
nous. De pute. Rondeur but du mutant, hein? Pour une fois qu'ils font un truc bien.
quelqu'un avec Carlos. C'est moi, j'ai pas toute la journée. Je connais, laissez-le passer. T'aider ? Dick, j'ai besoin que tu pistes quelqu'un. Pister quelqu'un, ok. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Larsen a trouvé une autre fille après que t'as amené Lisa. Elle s'appelle Rosalyn. Un tout petit brin de fille, mais on s'est dit qu'elle pourrait nous aider avec le fossé d'irrigation. Ok, et donc ? Elle a disparu. Elle est partie en mission de ravitaillement avec Alkaï et d'autres, du côté du camp de réfugiés abandonné du Nero. Tu le connais, je crois que tu y es déjà allé. Ouais, ouais, je vois lequel. Retrouve-la, Dick. Des drifteurs et des squatteurs ont été signalés de ce côté. S'ils la trouvent en premier... Ouais, ouais, ouais. Je verrai ce que je peux faire. Ça n'a pas l'air trop grave. Ouais, ça va tenir. Salut, Deacon. Comment va la vie sur le camp, Alkaï ? La routine ? J'ai juste fermé un peu les yeux. Je pense que c'est bon. J'ai jamais eu aussi mal. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Quoi ? Bon, mets-toi au boulot. Je vais t'ouvrir. Cette zone de nidification. Ah!
J'aimerais pas être à ta place. Tu l'as cherché, j'imagine. John St. John, à Salome Hot Springs. Doc, tu m'entends? Oui, Dick, je suis là. Ok. Je suis à l'endroit où la gamine a été vue pour la dernière fois. On dirait qu'une meute est passée par ici. Il y a peu de chance qu'elle ait survécu.
Rose? Rose Allen, c'est ça? Pitié! Non! Hé, hey, je te veux aucun mal. Regarde, je suis pas avec ces connards. Non! Non! Putain, mais je suis là pour t'aider. Tucker m'envoie. Attends, attends. J'ai dit que j'étais là pour t'aider. Non! Vous êtes avec elle. Le camp de travail. Non, je suis avec Tucker. Je fais des missions. Bon, ouais. Ils m'ont affamé. Je refusais de suivre les ordres. Alors ils me nourrissaient plus. Bah ouais, c'est un camp de travail, forcément. On travaille. Je suis pas une esclave. J'y retournerai pas, vous m'entendez? Je préfère crever ici. Ok, ok, bordel. Comme tu veux. Toi, tu vas bien me servir. Okay.
Ouais. Contrôle-le. Tucker. Tucker, c'est Deacon St. John. Deacon St. John pour Ada Tucker. Dick, tu l'as récupéré. Oui, oui, j'ai trouvé. Okay.
Tucker. Tucker, c'est Deacon St. John. Deacon St. John pour Ada Tucker. Dick, tu l'as récupéré? Oui. Oui, je l'ai trouvé. Elle est en route. Attends, tu l'as laissé repartir seule? Elle a pris la moto d'un squatter en disant qu'elle saurait trouver son chemin. Elle voulait pas de mon aide, d'accord? Oh, merde, Dick! T'aurais dû nous la ramener. Enfin, pourquoi, Tuck? Y a un souci? T'aurais des raisons de pas vouloir rentrer? Non, non, bien sûr que non. Seulement, cette gamine n'a pas la moindre idée du merdier que c'est dehors. J'en sais rien, Tuck. On pourrait être surpris. Terminé. Bidon d'essence. Anna Tucker à Deacon St. John, à toi. Dick, tu me reçois? Salut, Tuck. T'as du boulot pour moi. Ok. Je passerai te voir. Terminé. Voilà. Beaucoup de drifters aujourd'hui. C'est quoi ça? Y a quelqu'un pris au piège? À l'aide! À l'aide! Je vais te sortir de là. Tu vas te faire tuer dehors. Je connais un camp où tu seras en sécurité. Un campement? Je vais y aller. Va à Lost Lake, par la Ricky Patel. Elle te fera entrer. Oh. Merci. Merci. J'ai cru que j'allais crever. Dis-leur que c'était Deacon St. John. Garde la tête baissée et cours. Vendre tout ça.
avait bien besoin. Ça doit le faire.
Schizo, c'est Saint John. Je suis à la frontière. Tu vois mes hommes dans le coin? Non, Schizo, RAS. Ivoire, j'ai combien de temps devant moi? Quoi? De quoi tu parles? Tout ce que je sais, c'est que j'ai une partie de carte prévue avec certains de mes gars. Il est possible qu'un ou deux zappeurs tournent de garde, mais je vais fermer les yeux. Et à vue de nez, je dirais qu'on est parti pour jouer toute la nuit. Donc jusqu'à demain matin. Compris, terminé. Les garés. Toto. Oh, you're gonna need it.
C'est quoi ça? Bordel.
vas crever, tu vas en crever! Crève, espèce de grosse merde! C'est tout? Eh ben putain! C'est tout! Corias, cette saloperie! Des antibiotiques. Faut que je trouve des antibios. Ouais, ça fera l'affaire. Faut que je les rapporte à ma mouton. On va le remettre sur pied. Et on pourra se tirer d'ici, partir au nord, comme il voulait. Deacon St. John, tu me reçois? Dick, c'est Ricky, à toi. Fais chier, faut pas qu'elle apprenne où je suis. Salut Ricky, c'est Dick, ça arrête pas de couper, je t'entends pas. Désolé, j'ai pas le temps, là, tout de suite. Attends, c'est Deacon. Derrière lui. Toi, et toi, remontez la route. Faites gaffe qu'ils ne reviennent pas. Grouillet. Tu l'as trouvé? J'ai trouvé ce qu'il en restait, ouais. Ce qu'il en restait? J'ai entendu des coups de feu, qu'est-ce qu'il y a? Un accrochage avec des Reapers, mais j'ai bien géré. Ah ouais, t'as géré? Qu'est-ce que... Waouh. J'aurais dû m'en douter. De quoi tu parles? Putain, Ricky, qui assure la sécurité? Tu sais quoi? Je me pose la question chaque jour qui passe. Je me tire d'ici. Tant mieux. Alors qu'est-ce que tu viens faire là? Ce que je fais là, Dick? Adi m'a envoyé te chercher. Pourquoi? Oh, une minute, c'est Boozer, c'est ça? Aucune idée. Faut y aller. Qu'est-ce qu'il a, Boozer? Tout ce que je sais, c'est qu'Adi m'a dit de te trouver. En me renseignant, j'ai appris que Schizo et toi veniez par ici. Je comprends mieux pourquoi. Je vois pas de quoi tu veux parler. Le site du crash. Le matériel médical. C'est un secret pour personne, Dick. Iron Mike négocie avec Carlos pour partager la moitié avec les Reapers. Oh, conneries! Qu'est-ce que tu veux dire? Ça, c'est des conneries! J'étais là! La soute est déjà à moitié vide! Les traces qui tendent le site du crash vont toutes vers le sud! J'ai affaire à ces enfoirés de Reapers depuis des mois! On peut pas se fier à eux! Tu parles comme Schizo. C'est lui qui t'a mis sur le coup. Il t'a parlé du site du crash, hein? Ah, ouais, super! Maintenant, tu me prends pour le larbin de Schizo! Je me trompe? Dans ce cas, comment t'as su? Un drifter, du camp de Copland. Tu l'as dit toi-même, c'était un secret pour personne. Ouais, c'est ça. Ça fait des mois que Schizo cherche une excuse pour attaquer les Reapers. C'est une belle coïncidence que tu lui aies mâché le travail. La dernière fois que je t'ai vu, avant l'hiver dernier, t'as envoyé Iron Mike se faire foutre parce qu'il voulait pas te payer pour ramener les survivants. Ça,
ça s'est pas vraiment passé comme ça. Ouais, je m'en souviens bien. Iron Mike a dit qu'il voulait rien avoir à faire avec des esclavagistes. Ok. On n'a jamais forcé personne à nous suivre. Et Tucker ? Tu peux en dire autant ? Je sais pas. Tu t'es jamais dit que quand t'abordes un survivant qui crève de faim, qui a pas dormi depuis plusieurs jours, il est si vulnérable qu'il cherche même plus à échapper à des types comme toi ? Tu t'es jamais dit qu'ils avaient pas le choix ? Ça t'a pas empêché de les emmener à Hot Springs et d'empocher tes crédits ? On a tous le choix, Deacon. À nous aussi, ça nous coûte beaucoup d'accueillir ceux qui peuvent pas travailler et gagner leur croûte. Franchement, estime-toi heureux qu'Iron Mike soit pas comme toi. Il me tire dessus! William, William, si tu m'entends, je te demande de te calmer. Adi, qu'est-ce qui se passe? Boozer! Attends, aide-moi à le tenir. Putain, qu'est-ce que tu fous? Tu fais écoute, quoi, là? Je t'en prie, il faut le faire sans perdre une minute. Tu plaisantes? Oh, non. Deacon. Non, non. Deacon. Non, c'est hors de question, pas question. Je peux pas Deacon, te laisser lui faire écoute-moi. Ça. Écoute-moi. Les antibiotiques lui ont sauvé la vie. Mais il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour son bras. Écoute-moi. J'ai besoin de ton aide maintenant. C'est ça ou tu regardes ton ami mourir. Ok. Adi, on est en train de le perdre. D'accord. Très bien. Ok, ok. Allez, viens. Hé, hey, mec. Hé, hey, frérot. Écoute, il faut que... Tiens-le. Tiens-le ici. Okay. Tiens-le. Dick. Dick. Ok. Tiens-le fermement. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. C'est pas vrai, on va perdre. Non, 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 ça bise le sang. Il faut arrêter là, il bise le sang. Passe-moi la compresse. Ok. Boozer, tiens bon, mec, tiens bon. Tiens-le. Allez, où ça? Où je dois le tenir? Tiens-le juste ici, garde la tête froide et tiens-le, Nicole. Eh, tu t'en es bien tiré. Quand j'étais au lycée, je me souviens, je savais pas si je voulais être ingénieur en mécanique ou chirurgienne. J'aurais peut-être dû être chirurgienne. Oh. Et toi? Ouais, ouais, c'est bon. T'as sauvé ton ami, tu sais. Ça m'étonnerait qu'il voit ça comme ça. Moi, je pense que si. Il faut que j'aille installer sa perf. Je sais pas où t'as dégoté tout ça, et je préfère pas le savoir. Mais ça sauvera beaucoup de vies, Deacon St. John. Beaucoup de vies. Je vais aller aider Adi. Mike, reste tranquille. D'accord? Deacon! Sors de là! J'ai appris ce que t'as fait. Je pouvais quand même pas le laisser mourir. Mike, laisse tomber. C'est fait. Je le sais bien, bon sang. Boozer va s'en tirer. J'en sais rien. Mais les Reapers t'ont vu et t'ont suivi. Quand Carlos apprendra tout ça, il va nous le faire payer très cher. Carlos peut aller se faire foudre. Toi, tu mets sans cesse en danger la vie des autres. Et ça t'empêche pas de dormir? T'as fait ce qu'il fallait. Mike! Thank you.
Salut. Hello. Bien, jolie récolte. C'est tout pour aujourd'hui. Ah, bien. Ok. Comment ça va? Hey, comment va la vie? Camelot, ça. Ça, c'est de la qualité. Solide et bien fini. Ok. À plus. Hey Blair, comment va? Oh, ok. Bon, ok. Merci à toi d'être passé. Attends, je vais t'ouvrir. J'ai que ça aujourd'hui. Juste faire une petite sieste. Comment ça va? Je ne sais pas par où commencer avec ce plan. Un petit instant, j'ouvre le portail. Lost Lake pour Deacon St. John. Bonsoir. Ouais,
qu'est-ce qu'il y a? Iron Mike dit que tu t'es porté volontaire pour rester dans le coin et aider le camp, mais que tu refuses de bosser pour Schizo. Eh, grosso merdo. Bon, je peux pas t'en vouloir. En tout cas, j'ai que toi sous la main. Alors passe à l'atelier de mécanique. Ouais, j'ai du boulot pour toi. Ouais, ça roule, terminé. Ok, on va jeter un coup d'œil dans le coin. Des tueurs et des voleurs, voilà ce que vous êtes. Combien de mecs vous avez buté au moment de... Attention ! Je suis touché ! Je reviens ! Je vous ai le coup de... Ça va, tu vas pas t'en sortir là-dedans. Je connais un camp. Un camp? Où? Où? Montre-moi, montre-moi! J'y vais! Va à Lost Lake, par la Ricky Patel. Elle te fera entrer. Oh, bordel de merde! Je croyais que c'était la fin! Oh, oh, merci beaucoup! Merci! Je t'en remercie infiniment. Dis-leur que c'était Deacon, ils comprendront. Alors continue à courir et évite les routes! Là, Deacon St. John à l'infirmerie de Lost Lake, répondez. Dick, salut. Je suis un peu à l'ouest, tu te doutes. Ça va, toi, qu'est-ce qu'il y a? Salut, Boozer. Rien. Non, je m'emmerdais à écouter Radio Libre Oregon. Les théories du complot, ça va 5 minutes, quoi. Dick, Adi. Sonné la bombe. On va en chercher des anti-machins de Picou, là. 12 heures. Ça a dû être sympa. Tenir pendant qu'elle me charcutait. Tu te rappelles comment Jack avait découpé cette dinde la dernière fois qu'on s'était retrouvés? Et elle arrêtait pas de glisser sur cette foutue table. Ouais, bon souvenir. Je me souviens. Je le sens encore, tu sais. C'est fait maintenant, Boozer. C'est fini. Dick. Je suis là. Tiens bon. Hé, c'est dangereux, le No Man's Land. Écoute, je connais un camp. Qu'est-ce que tu... Va à Lost Lake, parle à Ricky Patel. Elle te fera entrer. Merci. Merci. Oh, c'est le bon Dieu qui t'envoie. J'ai prié tellement fort. Merci. Dis-leur que c'était St. John, Deacon. Ils savent qui je suis. Évite les routes principales et t'arrête pas! Adi, t'es là? Deacon St. John à l'infirmerie de Lost Lake, répondez! Dick! Salut! Je suis un peu à l'ouest, tu me doutes. Ça va, toi, qu'est-ce qu'il y a? Salut, Boozer. Rien. Non, j'emmerdais à écouter Radio Libre Oregon. Les théories du complot, ça va 5 minutes, quoi. Dick. Adi. Tu m'avais sauvé la peau. On va en chercher des anti-machins pour mes couilles, là. 12 heures, je... Ça a dû être sympa. Tenir pendant qu'elle me charcutait. Tu te rappelles comment Jack... Elle avait découpé cette dinde la dernière fois qu'on s'était retrouvés. Et elle arrêtait pas de glisser sur cette foutue table. Ouais, Osman. Je me souviens. Je le sens encore, tu sais. Le couteau.
Reaper. Si t'avais pas été là pour me maintenir, je sais pas ce qui aurait pu se passer. Dick, vraiment pas. Mais c'est fait maintenant, Bowser. C'est fini. Dick, désolé. Je suis un peu dans le coltard, là. Normal. Adi va me trucider si elle te voit faire l'imbécile hors du lit. Ouais. On repart dans le lit. J'entends bien qu'il m'appelle. Terminé. Écoute, Bowser. Bordel. Et voilà. Deacon, tu me reçois? Ouais, Ricky, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste te dire que je suis désolé pour ce qui est arrivé à Bowser. Ouais, sûrement pas autant que lui. Écoute, Adi voulait juste que tu saches que si tu lui avais pas apporté le couteau d'amputation, Bowser souffrirait encore plus en ce moment. Ouais, enfin, ça vous a juste permis de le charcuter plus facilement. Bref, on espère que... qu'il s'en remettra. Hé, écoute. Merci de nous avoir fait entrer, Ricky. Faut que j'y aille. Terminé. Ça les foule. Une prime. Pour m'en servir. Vous aurez oublié, je parie. C'est pas vrai. J'ai vu quelque chose.
Je peux arranger ça. Bon. Ouais? Dick, on a un problème. Ouais, Todd, qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens? Al-Kai a dit que les Reapers se dirigeaient vers ici. Ouais, je me rappelle. Il a dit qu'il n'avait pas essayé de les arrêter. On les a vus en train d'espionner Hot Springs. Deux de mes hommes les ont suivis jusqu'à leur camp, dans les falaises au sud des cratères Juno. Enfoiré de Reaper. T'en fais pas, je m'en occupe. J'ai un compte à régler avec eux. Un compte à régler? De quoi tu parles? Oh, rien. Oublie ça. Tu crois où? Retourne travailler. Hé, hey, non, arrête! Je m'y mets tout de suite. Merde! Arrête ça! Ah!